Baudelaire a eu une très belle formule, il a dit la photographie est une arme. Et je dirais que toutes les images sont des armes. Chacun essaye de nous faire voir ou revoir la guerre avec son arme personnelle. Alors son talent peut être de dessiner, son talent peut être de photographier, de caricaturer, mais de toute façon, par l'image, on veut faire passer quelque chose qu'on pense ne passera pas bien par le texte. Ou alors, le caricaturiste souvent met à la fois une image, un dessin et un texte. Et je crois que l'idée de voir la Grande Guerre, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ce nouveau récit. Alors, d'une part, il est technique, puisque pour la première fois, les appareils photo étaient portables et donc permettaient à n'importe qui d'avoir un photo dans sa poche. Et l'appareil photo dans la poche, ça veut dire que l'écriture de la guerre peut se faire par la photographie. Et donc, c'est en cela que les soldats ont eu, un œil différent quand ils ont voulu, par la photographie, dire leur guerre à leur famille. C'est pour cela qu'on retrouve aujourd'hui des milliers d'albums de photographies, ce qui montre bien que les soldats, eh bien, ils étaient fiers de leur guerre. Même s'ils y souffraient terriblement, même si les conditions étaient terribles, ils avaient l'impression que servir sa patrie, protéger les siens, c'était une chose qu'il fallait faire. Et les photographies le montrent, parce qu'évidemment, on ne peut pas faire une photo en pleine offensive, hein, mais on fait les photos à l'arrière, quand on s'installe, quand on a froid, quand on se met à manger, et aussi quand on fait des plaisanteries. Et c'est cela qui m'a beaucoup intéressée. C'est que l'image, finalement, permet aux simples soldats, aux simples observateurs, de dire des choses qu'il n'aurait peut-être pas l'idée d'écrire sur un carnet, mais il prend rapidement la photographie. Alors ça, je dirais, c'est pour les simples soldats. Ensuite, il y a un aspect de la guerre qui, me semble-t-il, est mieux montré par l'image que par l'écrit. C'est tout l'aspect de propagande et c'est tout l'aspect de visibilité des marginaux. C'est-à-dire ceux dont on n'a pas l'habitude, ceux qu'on ne pense pas à mettre au centre de la guerre, les femmes, les occupés du nord de la France. Et puis, la façon la plus spectaculaire, je dirais, l'extermination des Arméniens. Parce que l'extermination des Arméniens n'a pratiquement pas été photographiée, elle a été dite un peu, et on la retrouve à travers la propagande contre les Allemands et contre les Turcs, puisque ceux qui considéraient que les Allemands étaient responsables ont fait énormément de dessins. Et donc, on les retrouve, je dirais, en creux. Ce qu'ils voulaient, ce n'était pas nous montrer de la compassion pour les Arméniens, mais ils voulaient nous montrer comment les bourreaux étaient affreux. Mais nous, en tant qu'historiens, grâce à ces traces, on peut comprendre ce qu'ils ont vu de l'extermination des Arméniens. C'est en cela, je dirais, que les images apportent quelque chose qui, si on ne les avait pas, eh bien, on ne pourrait pas le voir. On ne pourrait pas le voir, la subtilité du rapport pratiquement au palimpseste, hein, des choses qui vont se mettre les unes sur les autres, et en essayant de décanter la compréhension de ces images, eh bien, on arrive, je crois, au cœur de la guerre ou d'une certaine guerre. C'est pour ça que j'appelle mon livre « Un autre récit », parce que c'est pas que c'est une guerre totalement nouvelle, bien sûr, ça serait totalement ridicule, mais c'est un angle qui permet de déboucher, je crois, plus sur les sensibilités des êtres humains qui ont vécu ce temps tragique.